Bonsoir mes amis, salam alaikum. Lyon, donc nous sommes le 6 octobre 2022 et Lyon, le soir d'Algérie, une bonne nouvelle à l'Cham de Zahiri ou à l'Chorafa. Le bel a dit une deuxième vidéo à la Farhat Mahni. Écoutez, comme c'était l'Américain, il a écrit l'Américain pour dénoncer son pays. Haka. Il faut sanctionner l'Algérie. Hadi Charles Ouada, il a de ma bled. Il a de ma chat. Femme-tu. Le hasard, il a de ma bled. Le hasard, le pont Sitao, il est fixé le 16 octobre. Hadi Charles Ouada. Dans 10 jours. Pour terrorisme. Et pour commanditer, pour avoir commandité les incendies de Bled Qbeg. Gars, les preuves sont réunies. On sait que Nas est en France. Grimmin Wahl. Gars, membres du MAC, ils ont témoigné avec des preuves que l'ordre venait de lui et l'argent venait de lui. Ou Daram, la traçabilité de Daram, du Hatem Médical. Une femme installée aux États-Unis, membre du MAC, tu vas te faire un peu de temps, tu vas te faire un peu de temps. Alors, comment ça va? Il est bien sûr protégé par la France, en 4 France. Donc, il ne sera pas extradé parce qu'il a la qualité de réfugié. Mais n'empêche qu'il n'est pas terrible, il est comme un boulet, la condamnation. Théo, il sera un repris de justice recherché par la justice internationale. Même si pas avec sa vie. Mais, n'empêche qu'il est condamné par la justice algérienne pour terrorisme. Oui, quand il ne sera plus avec l'Iador, le chanteur de la paix, ou nous sommes pacifiques, ou nous sommes là. Nous avons un projet politique. Il y a deux affaires de terrorisme. La première, c'est l'affaire de Slah. Avec Dom, il a joué à Akhmou. Slah, le Nes, Jibdul Mak, et le dossier est en train d'être étudié aussi. Dans la prise d'investigation. Il y a trois personnes en place qui ont reçu de l'argent comme France, ils ont acheté des armes là. Bon, l'affaire se poursuit. Mais l'affaire dans les incendies de Bled Qbeg, c'est les clauses. Après 9 mois d'enquête, jour et nuit, d'arrestation, là, il faut c'est-à-dire, je parle de les fugitifs, qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés de la Tunisie. Ouad, quand ils ont rentré dans le Maroc, ils sont mis à table. Ils ont tout dit. Donc il a beau dire que l'État algérien va monter un dossier, ou ils ont démonté un dossier. Mais qu'est-ce? Si ça devant la justice algérienne, avec des observateurs, il y aura des observateurs, d'abord les avocats Taouou, Taouou Al-Mak, je m'appelle Al-Mak parce qu'il n'est pas le seul. Deuxièmement, il y aura des observateurs qui vont venir. Vous allez voir, ce sont des vidéos, ce sont des documents, ce sont des écoutes, ce sont là. Donc, donc il va le 16, bon, le procès va durer, parce qu'ils sont nombreux. Il va durer un mois. Ou le jugement n'est pas définitif. Ils vont faire appel. Mais vous allez voir que le jugement définitif, ce seront des condamnations parce qu'il y a eu, c'est un acte terroriste, préméditation, l'argent de l'étranger, il y a eu les mots de l'opération, plus il y a eu mort d'homme. Donc, ils ne vont pas s'en tirer et j'espère que Farhat Mahni sera jugé très très sévèrement en tant que ou le commanditaire. Avec les Jemaat al-Mak,
لهم عند إمام فرنسا. Donc, avec son costume et son écrivain, le ramener et tout, l'image elle est claire en nous. Pour l'étranger, elle va être. Mais qu'est-ce? Touchée. Qui va chader? Et les services de sécurité français, même je dirais européens, on a la belle, pour qui roule Fahadmani. On a la belle, surtout les Français. الدولة اللي تراضي كل كونت دي ماروكا فرادماني يخدم avec de l'argent marocain et bien sûr les insurgents dans le Maroc. Les services français, financiers français, حكموا فرادماني pour trafic de blanchiment d'argent dans le turf, les jeux d'un. Oh, alors, comment ça s'est passé? La journée, peut-être. Toute une journée au commissariat, ils ont reçu l'ordre et pourquoi. Et le dossier, alors l'union rafle à Téwa. Bien sûr, les Français, ce ne sont pas des idiots. Un dossier, c'est Téwa. Je suis maquillé de Rayon Manao déjà, je suis le fait que l'Élysée, bah, entre guillemets, a donné l'ordre pour que Mia Gouche la. L'émission télévisée CNews, a déjà il a écrit le secrétaire d'État américain. Il a écrit, ça veut dire que France, on a voulu tout mal d'Azaye, donc on doit aller. Donc tu veux dire aussi, tu as blanchiment d'argent et trafic d'acteurs. D'accord, tu as partout, les compteurs, tu as partout, de l'argent sale à transiter par les compteurs. Donc je veux dire, France. Enfin, pour terminer, je dirais que dans la vidéo de l'Albara, la gifle pour terminer, je dirais que Dzair Kbira Aliya, ou Kbira Al-Khomash de l'Arab-Maha, en France. Dzair Kbira Aliya, Kbira Aliya, bzaab. Chef de Zairi, c'est un peuple. Kbir. Nationaliste, ou Yahab Bledou, ou Mekhaf Dizil Goudam. ويكرا لي ثلاثة كما فرحت مني وصحابي السولا في الليبا مش لي زي فيه لي زي فيه في مونتروي وفي بلفيل تو يدير فرحت مني هذا يجيب الجيتارات ويخبط ويغني لهم بون صافي بريس 18 ans à peu près ولا 17 ans il chantait il se souvient la gueule et tout hein وما يخلص حتى دورو في الليبا وفي الليبا Tout à l'œil, كلش à l'œil. عايش à la ouf. عايش à la ouf. طلعت على المروك, طلعت à Israël, طلعت فيه. يخدم لي كارت ديزونتيتي, بين مساكن تما. نقول مساكن باسكو سيدي نايف. سيدي زميلي, نايف. يبنى في فرعة بان. ما لي يجوا هنا لزين, لي يجوا زون فاكونس. يا ولدي رانا مع واحد الشعب الله يهدوه. ليه في فرنسا يسبوا الجزائر يقول لهم فيه فرات مني فيه ولا معك فيه لا ومن بعد يجوا لي فواتير معمرين بالخماج لا بوريتور يجوا هنا يبيعوها ويهضروا على الجزائر اري السلام عليكم